Yahoo, petit bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée, ça c'est le plus important pour moi. Je te retrouve donc pour la vidéo, les séries qui commencent et les séries qui se terminent. Oui, il n'y a pas de vidéo planning, pourquoi? Parce que je vais te mettre tout simplement dans la barre d'infos le planning prévu, mais actuellement, sache qu'au jour où je filme, on est le lundi 27 janvier et que j'ai des gros problèmes d'internet chez moi. Je suis obligée de squatter l'internet de l'école de ma maman et ce n'est pas forcément très pratique parce que rien que là j'ai voulu mettre la vidéo Otaku Paris Tour à charger, donc il a fallu 24 heures plus 8 heures de chargement. J'ai posté jeudi à 16h, j'ai commencé à mettre à charger à 16h et en fait dans la nuit du samedi à dimanche j'ai eu une coupure internet et comme je ne suis pas allée à l'école de ma maman le dimanche pour voir si tout allait bien, la vidéo avait chargé que de 22%. J'étais joie ce matin quand je suis allée à l'école et que j'ai vu ça. Voilà. Donc, j'ai fait ça donc du coup de manière très bancale. C'est-à-dire que j'ai noté sur mon cahier la date de sortie, le nom du manga, le nombre de tomes. Pour ce qui est la maison d'édition et le genre, tu auras tout ça à côté de moi. Et les sous-catégories aussi. Parce que j'ai fait ça de manière très bancale étant donné que j'ai un internet de merde. Voilà. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 séries qui se terminent pour moi pendant le mois de février. Une seule qui sera donc une petite citrouille, c'est-à-dire que ça sera une série que je vais garder pour le Halloween Manga Challenge, donc le mois d'octobre. Et voilà, après j'essaierai de faire ça au plus vite. Ah non, il y a deux titres que je garde pardon pour Halloween Manga Challenge. Il y a deux titres. Et après les autres, les trois autres, je ferai au plus vite. Voilà. Donc, on va commencer d'ailleurs avec les séries qui se terminent. On va avoir le manga Haku, le chasseur... j'ai perdu le nom. Enfin, Haku. C'est une série terminée en 5 tomes. Et je sais que beaucoup de mes collègues youtubeurs en ont dit du mal. On dit qu'au bout du tome 3, c'était devenu de la merde. J'ai les 3 premiers tomes. J'ai eu le tome 3 lors du calendrier de l'Avent. Pardon, j'avais oublié. Et donc, je verrai bien ce que ça vaut. Mais en tout cas, j'ai les 3 premiers tomes. Ensuite, on a donc... ça, c'est la sortie du 5 février. Et le 5 février, j'ai aussi Striving Anonymous, qui est une série terminée en 7 tomes. Par contre, comme tu as pu le voir, il y a la petite citrouille. Je le garde donc pour le Halloween Manga Challenge. Ensuite, le 12, on a Carnet de chat en 5 tomes, qui est terminé donc en 5 tomes. J'ai le tome 1 et donc j'ai très très hâte de découvrir ce que ça peut valoir. On aura aussi le 12, It's Is Not Love, si je prononce bien, je suis désolée. Terminé en 5 tomes, ça je crois que je ne possède aucun tome, donc il va falloir que je m'y mette. On aura aussi le 14 février le manga Au-delà de l'apparence, tome 9 va enfin sortir. Je ne sais plus quand est sorti le tome 1 et 2, enfin je crois que les deux tomes étaient sortis en simultané, en tout cas date de sortie du premier volume. Ça fait un moment qu'on attend et j'avais même hésité il y a très longtemps, j'avais hésité à revendre le volume, merde les volumes que j'ai, mais j'ai attendu et j'ai bien fait, voilà. Ensuite, on va avoir le 14 aussi, Heroine Game, donc une série terminée en 3 tomes des éditions Kana, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est dans la collection d'Arcana, si j'ai bien retenu ma leçon. Toujours est-il, ça c'est vraiment un manga que je veux garder pour le Halloween Manga Challenge, donc j'espère que vous comprendrez. Donc on attaque avec les séries qui commencent pendant le mois de février. Le 5, on a The Quintessential... voilà, un tel image à côté de moi. Une série en cours avec 13 tomes. Donc ça, je sais que le tome 1 et le tome 2 vont sortir en simultané. Donc je les achèterai et je ferai donc un crash test. Ensuite, on va avoir le 6 cette fois-ci. Girl Last Tour. Ça, c'est des éditions Manabook, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est... Attends, Last Girl Tour et un manga terminé en 6 tomes. Voilà, donc on va avoir le tome 1, mais la série sera terminée en 6 tomes. Ensuite, j'ai 3 sorties pour le 12 février. Je vais avoir d'abord le manga Nos Précieuses Confidences, je crois. C'était... j'ai fait une faute à mon avis d'écriture. Une série toujours en cours en 6 tomes, donc ça, ça reste à voir. Mais tout ça, faut que je fasse des extraits manga. Je sais, j'avais dit la même chose pour le mois de janvier. Mais le mois de janvier ne s'est absolument pas déroulé comme je le voulais. Voilà.
Pour ce qui est des sorties du 12, on va aussi avoir Piège charnel, une série terminée en 7 tomes et ça m'intéresse. Rien que quand je vois le titre, ça me donne envie, quand je vois la couverture, même si c'est pas une qualité dessin dont je raffole, j'ai quand même envie de découvrir ce que ça peut valoir, donc j'ai vraiment très très envie. Et ensuite, le 12, on a Ushikomi, une série qui sera terminée donc aussi en 7 tomes. Pour le 13 février, j'ai deux sorties. C'est Magic Girl Sit 7. Donc ça, ce serait une série, si je dis pas de bêtises, en 2 tomes. De toute façon, tu as les infos à côté de moi, hein, si je me trompe. Et donc, à savoir que ça, bah, c'est censé être un spin-off. Donc, pour ce qui est du deuxième titre, je vais te laisser regarder l'image pour avoir le titre exact, parce que je ne suis pas sûre de le prononcer comme il faut. Et ça serait terminé en 8 tomes. Donc ça aussi, c'est quelque chose voilà, de plutôt cool. Ça, j'aime bien, je suis content là pour les sorties. Parce que à part une série, deux séries pardon, qui sont toujours en cours, dont une en 13 tomes, les autres sont terminées, ce sont des histoires moyennement courtes. Moyennement courtes, c'est autour de 5 à 9 tomes pour moi, tu vois. Après, ça devient un peu long, au-dessus de 10. Donc la vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura permis de savoir quels sont les titres qui vont sortir et qui peuvent éventuellement aussi te plaire. Donc moi, je vais faire au mieux, pour fin février, te sortir une vidéo Extrême manga, j'achète ou pas, sur les séries qui étaient sorties en janvier, et une vidéo Extrême manga, j'achète ou pas, sur des titres donc qui seront sortis en février. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Bye!